Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Je vous accueille avec cette belle photo. Mais en fait, je suis là depuis le début. J'étais caché. Comment va le chat? Ça me fait plaisir de vous revoir parce que ça fait une semaine que je ne vous avais point vu, que je ne vous avais point parlé, Salut que le vous chat. ne m'avez point vu en tout cas. C'est un peu des retrouvailles. Voilà les retrouvailles. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ce jeudi? Merci beaucoup à Jacob Bronski pour le sub. Merci pour le sub. Je voulais tranquillou bilou faire un petit stream. 30 ou 40 minutes avant la box, plus de réseau, j'appelle SFR, ils me répondent pas, ils me disent juste ah bonjour, ouais on sait qu'il y a un problème sur la ligne, merci d'avoir appelé, et ils raccrochent, c'est le robot qui me dit ça, donc je me dis eh, super, 19h30, 20h, pouf c'est bon ça revient, donc juste l'intervalle de mon stream, j'avais pas internet, mais avant et après ça marchait nickel, yes. Voilà pour la petite histoire pour ceux qui n'étaient pas Mauvais forcément au courant bail. de pourquoi il n'y avait pas eu de stream. Bonjour à tous, bonjour à Nubest, à Niala, Claude du PL, à Alrine, à Lancelot, à Nubest, c'est déjà dit, Nubest, à Scylla, à Jalebanchio, à tout le monde. Ah, ils sont déjà 128, là, tu vas avoir du Ils mal sont à déjà faire du. 128, merci beaucoup à Coraval pour Merci le sub. Coraval. Coucou les fous, je pensais pas être autant hypé sur l'historique, mais Ouais, l'historique c'est l'historique est sympa. vraiment cool. Pour avoir un peu tryhard le ladder, là, on voit des trucs vraiment bien sentis et pour le coup, le méta est cool. Exactement. Et j'ai vu qu'il y en a qui parlaient un petit peu de Pokémon là, sachez que si jamais je me fais rosser, je vais commencer à parler de mon Nuzlocke sur Pokémon Épée et on passera un très bon moment, voilà. Et ceux qui jouent pas Pokémon, désolé. Salut Yannock, salut à tous. Du coup aujourd'hui, Salut. petit événement, patate avènement, en historique, on va se rosser comme d'habitude. Donc le rosse-moi pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça que c'est, hop là, c'est dans le chat, tapez point La d'exclamation petite rosse pour commande. savoir. Tac 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 tac. Historique, oui, pourquoi? Parce que bah, y a du ladder historique maintenant, il y a un événement historique, il y a des nouvelles cartes historiques, j'ai déjà tous les skins, ça fait plaisir. Ce soir, pour ma part, moi je n'utilise pas de nouvelles cartes, voilà, pour ne rien vous cacher. J'ai pas trop eu le temps de me préparer, j'ai pris des decklists comme ça que j'ai pas pu tester, mais que j'aime en tout cas, les decklists m'ont l'air sexy. Val, par contre, lui, il a brou ses propres decks, donc ça fait plaisir. Et vous présenter Ouais, de la très j'ai belle magie. un petit peu fait de ladder et pour le coup, je pensais pas. Je rejoins Coraval qui pensait pas être hypé par l'historique. Je suis plutôt pas du genre à être hypé par des événements alternatifs et forcé de constater qu'en fait, l'historique m'a plutôt pas mal tapé dans l'œil et il y a de grandes chances que je fasse pas mal d'historique en stream prochainement, pour le coup. Yes. Moi je ne sais pas encore, du coup j'ai beaucoup de choses à découvrir, notamment le draft, ça fait un temps que je n'avais pas fait, parce qu'il y avait beaucoup d'échéances compétitives, etc. J'aimerais bien vous rosser en forgeron, format qui me plaît particulièrement, enfin que je trouve très intéressant. Et on nous demande pourquoi des t-shirts noirs en stream les fous, mais pourquoi pas, voilà. Il n'y a On pas de raison. s'habille comme on aime, et on aime le noir, donc on s'habille en noir. Merci à Iron Scorpio pour le sub. Merci, ouais, pour le sub Iron Scorpio. Et salut à KOMTG. Et Du pour coup... répondre un petit peu à Natal Eurythal, c'est pas tant les 20 nouvelles cartes d'historique qui ont forgé le nouveau méta et qui ont fait que le méta est cool, c'est plutôt le fait de pouvoir intégrer Eldraine avec les anciennes cartes post-rotation, les anciennes cartes pré-rotation, pardon. Et c'est plutôt ça, je trouve, c'est le mix de ces cartes-là. Qui fait que les decks sont vraiment très optimisés et très forts. Pour le coup, on n'utilise pas tant que ça les nouvelles cartes pour l'instant. À part Burning Tree, Emissary, qui est quand même assez bien plébiscité, et quelques cartes, notamment le Piocheur Bleu dans Nexus, j'ai pas vu beaucoup de nouvelles cartes briller, pour le coup. Effectivement, notamment le réacteur, celui-là, vous le verrez pas briller de Ouais, lui, il suite, quoi. brillera juste jamais. Merci à Alrine pour le sub. Et merci beaucoup Alrine pour le... Ouah, quelle réactivité. Déjà le son, personne n'a rien dit, je crois, mais dites-nous s'il est toujours bon, comme d'habitude, si je ne suis pas trop fort par rapport à Val, hein, et inversement. Maintenant j'ai un nouvel outil, regardez, je peux faire clic droit sur Val, et là je peux régler son son comme ça. Je sais pas si ça marchait avant, en tout cas je ne le savais pas. Tac, tac, tac. Tic, tac, tac, tac. Ambercliff plus Galta, c'est vraiment c'est trop, Bah il n'y a là pas c'est trop. besoin. Voilà, c'est quand... Quand vous Overkill. mettez 20 au mec qui a 20 points de vie et que vous lui dites non mais j'aurais pu te mettre 40. Voilà, ça c'est Je la comprends remarque, que ça tu sert à perds rien. Voilà, ça c'est vraiment gardez-la pour vous et vous dites-la à vos collègues. Merci beaucoup à Fring33 pour le sub. 3 mois consécutifs. Oh mais ça... Ah non, 9e mois d'abonnement, donc le petit Garou qui est débloqué. Incroyable. Félicitations. Il On est va beau, vous ce Garouk. présenter les decklists avant de vous faire voter. Du coup, je vais vérifier que le bot soit toujours actif. Papa, il est toujours là le bot, incroyable. Alors, Segaya a brou un deck autour du réacteur, ce qui veut dire que dans un mois, le deck sera méta. Voilà, je Exactement. l'annonce. À Parce que chaque fois, Segaia avait Segaya est un prédit visionnaire. June Sacrifice, quand même. Exactement.
Merci pour le sub, Rodia. Le vote n'est pas passé, non. Donc, pour ceux qui Nous avons encore le débarquent temps, on va présenter potentiellement, les DL. on va présenter les églises. Donc, les deux églises de Val d'abord, les deux de Miel ensuite. Ouais, Vous pourrez voter je pour l'un ou récapais peut-être l'autre. juste ce qui se passe ce soir. Du coup, pour le Rossmoi, le principe, c'est que PL et moi, on s'affronte. Vous misez sur un des deux, qui est votre poulain et qui vous voit gagner. Si jamais vous tombez juste et que vous avez voté pour le bon gagnant, vous serez tiré au sort aléatoirement parmi les vainqueurs pour essayer de gagner 30 euros de bons d'achat sur la boutique Magic Bazar, qui sont valables sur l'entièreté de la boutique, pas forcément du Magic, mais ça peut être du Lego, ça peut être du goodies, ça peut être d'autres TCG, du jeu de société. Et il n'y a pas d'obligation d'achat, vous pouvez utiliser vos 30 euros, vous pouvez acheter quelque chose à 29 euros, voilà, vous n'êtes pas, c'est pas genre 30 euros de réduction sur un achat à 35 euros par exemple. Vous utilisez ce bon comme bon vous semble, ça vous est crédité sur votre compte. Voilà, je tenais à le rappeler. Exactement, merci beaucoup à Magic Et Bazar du coup merci de à Magic sponsoriser le Bazar. lancement. Et merci beaucoup également à Streetfire, à Geeks83 et à Ainan pour le Merci pour le sub. sub, mais c'est le train là. Là, Pour les c'est Ah là, parti. mais ah, c'est la fin du mois, soit la paye est tombée, soit il restait un petit peu dessous. C'est parti quoi. On envoie, bon, c'est les Merci Twitch Prime. beaucoup à ceux qui nous soutiennent, ça fait Merci plaisir. beaucoup. Et salut à plus belle magie. Du coup, Decklist de Val, c'est parti, on commence par Jonde, Jinde. Allez, Ceux qui Jinde, connaissent du coup. déjà, si t'ont suivi. Ouais, bon, le principe. Non, ils m'ont. Ah oui, enfin, je l'ai tweeté sur Twitter, mais j'ai pas joué l'ADL en stream, Ah, donc ok. les gens la connaissent pas forcément. Le principe, c'est que les decks Gruul sont plutôt pléthores en historique sur le ladder compétitif. Est-ce que tu C'est peux des dire plutôt decklists. pléthore plusieurs fois d'affilée? Pléthore, pléthore, pléthore. Ah, plutôt Ouais. pléthore? Plutôt pléthore, plutôt pléthore, plutôt pléthore, plutôt Ouais, pléthore. ça va, Ça va, t'es je bon. gère. Ouais, c'est bon. Chez ce cher Serge, dis-le plusieurs fois. Chez ce cher Serge, chez... Voilà. Out. Et 404 erreurs. Dégage. Bon, du coup, ouais, en gros, Gruul, c'est une des decklists agressives qui est la plus solide, notamment avec l'ajout de l'émissaire Brûle-Arbre, qui est une des nouvelles cartes qui nous a été offerte avec le format historique et qui est vraiment très très puissante, qui permet de faire des sorties très qualitatives, en tout cas en termes de quantité. C'est-à-dire que vous pouvez jouer deux drops 2 autour d'eux. Ça vous permet aussi de trouver peut-être le double bleu, le double rouge ou alors le double vert. Donc vraiment, la carte est vraiment très très bien. On a le retour d'Il était une fois qui est banni en standard. Donc forcément, on va enfin, comment dire, on va curver et trouver nos manas beaucoup plus facilement. On peut jouer Elfe de l'Anneau War dans un deck comme ça, rendez-vous compte, Incroyable. c'est d'une puissance incroyable. Et donc du coup, voilà, le premier bail, c'était de jouer Gruul avec des Phénix ravivés parce que j'adorais la carte avant. Et en fait, pour avoir fait un milliard de miroirs de Gruul sur le ladder mythique, je me suis dit, putain, j'en ai marre de faire des miroirs. Alors, déjà, j'ai rajouté des bêtes frappées d'amour à la place des Brise-Sœur Gruul pour battre les miroirs. Et en plus de ça, je me suis dit, tiens, mais dans le miroir, il n'y a pas une carte qui a l'air bien, genre Régisseur Pourrissant, vu qu'on a une mana base très saine. Quand je dis très saine, c'est qu'on a les checklands de M19 et de Ixalan, qui ne sont plus actuellement en standard et qui ne nous permettent pas de jouer des decks aggro, tricolores, avec une bonne mana base. Et en fait, là, couplé à Il était une fois les checklands, eh ben, on peut splasher noir pour ce Régisseur Pourrissant, qui est vraiment la carte qui porte le mieux en Umbercleave. Et pour le coup, la decklist marche très très bien. J'ai eu pas mal de succès sur le ladder mythique avec. J'ai été tweeter mes résultats. Si jamais vous ne nous suivez pas sur Twitter, vous pouvez aller suivre ça. Et pour le coup, ça marche bien. C'est valeur très très sûre, quoi. Je me suis pas mouillé en jouant ça. Je sais que ça marche. Gruul, ça marchait. Mon petit atout Régisor, il marche bien. Classique, quoi. Bah, comment tu l'appelles? Mon petit atout. Mon petit atout, exactement. Ah, c'est mon petit atout, ça. Bah, j'aime bien Burkleave en ce moment, je suis un peu hypé par la carte, je sais pas pourquoi. Et l'animation est très très belle avec les petites. Ouais, je dois compenser un truc peut-être, que sais-je. Classique. Petite présentation du site, du coup. Hop là. Yes, bah, bagarre de bonnet rouge, c'est bien contre Monored, qui est un deck qui est plutôt violent en historique. Vous prenez le Monored pré-rotation, vous rajoutez deux Torbran à la place des deux Chandra, ça pique, ça fait très très mal. Le deck est très solide, pour une decklist pas préparée, en tout cas j'entends. Voile de l'été, parce que pareil, elle est bannie en standard, donc on en profite en historique, évidemment. Plutôt bien contre les paquets noirs, même si j'en rencontre pas tant que ça, donc je suis pas trop persuadé de son utilité pour l'instant. J'ai pas vu beaucoup de decklists qui jouaient noir. Les emprises délétères, bah, c'est pour toutes les versions Oko, les versions rampes, tout ce qui va jouer vert. Et dans les miroirs de Gruul, c'était très très bien aussi. C'est un des autres atouts de jouer du noir pour battre les miroirs de Gruul. Cramer, c'est pour les Teferi et compagnie, parce qu'il y a Teferi Dominaria qui est dans le standard. On est très content de lui cramer la tête. Phérocydonte déchaîné, bah, parce que je trouve que c'est meilleur que Tibalt. Les versions Gruul classiques jouent Tibalt. Je pense que Phérocydonte, ça met plus de points et ça empêche aussi de gagner des PV. Donc voilà, il y a deux écoles, Tibalt ou Phérocydonte. Moi, je voulais tester Phérocydonte. Ceratops changeant,
C'est un peu polyvalent. Ça va pouvoir rentrer contre Mono Bleu Tempo s'il y en a qui ressortent le paquet. Et en vrai, ça bourre bien les decks contrôle aussi. Et ça, très important, la tech de Raptor Déchiqueteur. Incroyable dans le Mirror de June, incroyable contre les decks agressifs. C'est une carte que j'avais complètement oubliée, qui est sortie du standard. Et dès que vous rencontrez un deck agressif, c'est une plaie ce Raptor. C'est vraiment une dinguerie. Voilà tout. Ok, pendant que je m'amusais. Voilà. Et ben passons au deuxième deck, où qu'il est. Quatre couleurs de Dreadhorde Vaal. Alors, 4 couleurs de Red Horde, ça aussi, les gens qui ont suivi le standard, il y a, oula, ça doit remonter à quoi? 6 ou 8 mois? Ah non, peut-être pas, c'était War of the Spark, donc 5 mois. Connaissent plutôt bien le paquet, ça avait été créé par les joueurs tchèques, notamment la team Strasky. Paquet incroyable qui profitait du pack Explore pour jouer une commande The Dread Horde vraiment très très puissant. Et ben là, en gros, on se sert de Loi d'Or pour fixer notre mana base. Donc du coup, on n'a pas besoin de jouer Paradise Druid qui était un fixeur un peu plus mauvais. Là, on peut jouer Loi d'Or, on peut bénéficier d'Oko qui est un Planeswalker qui est quand même vachement intéressant. Et sinon, c'est à peu près classique. On joue toujours le pack Explore, on joue les meilleurs Planeswalkers, on joue Tamio parce qu'il y a la petite combo, cette espèce de lock où vous passez commande The Dread Horde, vous réanimez Tamio, vous faites moins 3, vous reprenez votre commande The Dread Horde, vous avez 150 PV et votre adversaire a perdu. J'ai moins joué cette decklist en ladder, j'ai pas vu d'autres personnes jouer ça, je suis pas persuadé que ça soit extrêmement pertinent, mais en tout cas, ça m'a directement donné envie d'essayer ça. La mana base est un peu tricky, il y a sûrement moyen de l'améliorer. J'en suis pas insatisfait non plus. Mais voilà, il y a des trucs à faire. Et les deux trophées de l'assassin, ça devrait à terme disparaître quand le méta sera diversifié. Mais comme on ne connaît pas le méta, et ben au moins c'est très polyvalent. C'est une carte qui n'est pas du tout étroite et qui pourra tout gérer. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée pour ce 4C Dread Horde. En fait, c'est profiter de 4C Dread Horde avec Oko. Ça a l'air quand même assez sexy. Voilà. Avec Coco. Avec Oko. Petite réserve maintenant, tranquillou bilou. Yes. Les trois contraintes, c'est Ouais, contre il y a contrôle, une couleur dans le évidemment. side. Comment? Il n'y a qu'une couleur dans le side. Ouais, il est full noir le side. Je voulais un petit peu l'agrémenter et en fait, c'était pas très bien. Je me suis rendu Il compte que n'était pas t'avais pas envie de jouer de violentable. Voile de l'été. Tu t'en fous parce qu'en fait, tu veux tout faire revenir de ton cimetière. Donc, Voile Ouais, de c'est l'été vrai. sont pas pertinents. Tu protèges pas de Nissa ou quoi. Donc, j'ai pas trouvé de place. Donc, trois contraintes, deux négations pour le contrôle. Instant d'envie pour Mono Red. Sort ancestral pour. J'ai pris par exemple des Grixis qui jouent, tu sais, un petit peu à l'ancienne avec les Bolas et compagnie. Donc, tu es content de pouvoir les sorts ancestraler. Réduit à néant, c'est juste pour gérer pareil les grues, les decks agressifs. Cri du Carnarium, j'étais persuadé qu'il y avait des mecs qui allaient build échafour. J'en ai pas encore rencontré, mais je suis persuadé qu'il y a des mecs qui vont Ils sont builder là, ils se ça. cachent. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, il y a les petits cris du Carnarium qui sont cachés. Les Brontodontes, c'est contre Nexus. Beaucoup de Nexus sur ladder. Le deck est très très fort. La deuxième Massacreuse contre les paquets aggro et rampe dans le side. Tout simplement. Voilà. Allez, passons à mes decks. Simic, Rosso. Pourquoi Rosso? Parce que Rossage. Là, les gens disent, ah, du Simic. Mais attention, c'est du grand Simic, ça. Du beau Simic, avec beaucoup de Big rampes, Banner. donc 4 rêves, 4 oies d'or. De leur rampe tour 2, 4 druides de paradis, 4 druides d'incubation, 4 lignées d'abondance main deck. Donc vraiment, on veut ramper fort, fort, fort avec ce deck. J'ai pu faire une ou deux games en BO1 juste avant le stream là pour voir un petit peu ce que faisait le deck. Tour 3, j'ai fait une Krazi 5-5. Donc c'était rigolo. Pas enfin à x égale 5. Donc c'est-à-dire j'avais 7 mana tour 3. C'est très Ouais, ça a drôle. l'air de faire des trucs. Et j'aurais pu faire plus. Des payoffs, donc Nissa, 4 Hydroras, 4 Hydroïde Krazis. Était une fois pour lisser les sorties un maximum. Deux bêtes de quête, deux Vivienne, histoire de vraiment mettre la pression. Tu peux faire Vivienne tour 2 dans le deck, c'est très drôle. C'est vraiment très très drôle. Faites Elf tour 1 avec Lane d'abondance, Vivienne tour 2. Ah oui, ok. Pas de problème. Ah, tu peux pas faire Nissa tour 2, sinon ce serait un petit peu trop fort quoi. Ouais, je réfléchissais à comment tu faisais, mais c'est bon, j'ai vu. Tu triches, mais si tu triches pas, tu peux pas. Ouais. Donc voilà, ça c'est du beau Simic, comme on l'en voit rarement. De la belle rampe. Le side, 4 voiles de l'été, pas besoin d'expliquer pourquoi. Et beaucoup de créatures en side, puisqu'on peut aller chercher avec Vivienne, donc toujours mieux. Charognard à valeur de cadavre qui vont faire de la gestion de cimetière, gagner des points de vie. Ça, du reboisement, ça détruit artefacts enchantement. Oko, ça ne va pas se chercher avec Vivienne, ça se rend surtout contre les match-up aggro, ou quand on a besoin de gérer en fait des créatures, etc. Ceratops changeant, voilà, protection contre le bleu. Si jamais il y a des decks mono-bleu qui s'amusent. Jument des lianes, défense ismanique et ne peut pas être bloqué par les créatures noires. Et il y a des decks mono noirs qui sont joués en historique. Donc je sais pas s'ils sont forts, mais je sais qu'ils sont joués. Donc Jument des lianes, il aime pas trop. La Guivre de Pelaka, ça stoppe très bien contrôle aussi. Vous pouvez du coup la sortir tour 3. Guivre de Pelaka. Tour 3, vous avez une 7-7, vous gagnez 7 points de vie.
Oui, C'est alors, quand oui, même effectivement, on peut faire Nissa une T2 stopper. avec de l'inlay, mais c'est un setup quand même, il faut que les étoiles s'alignent, hein, Oui, les c'est gars. vrai. Ouais, c'est quand Ça même. n'arrivera pas souvent. C'est quand même dur. Ça veut dire qu'il faut que tu Hein. aies de land, elf, de l'inlay. Ah, ça va, tu peux mulligan à 5 et faire cette sortie. Ouais, mais enfin bon, ça C'est n'arrivera dur. pas tous les jours, quoi. Et avant courant du grand terrassement, bah, ça permet d'aller chercher de l'étal. Ça, c'est une carte que vous rentrez jamais. Enfin, vous pouvez en rentrer une. Mais à la deuxième, vous la laissez pour aller chercher avec Vivienne normalement. Puisque Vivienne arrive, vous faites plus 1, elle est à 5, et vous pouvez tout de suite le tour d'après faire moins 5 pour aller chercher le truc. Donc elle n'est pas là pour rester Vivienne, elle est là pour faire son plus 1 généralement. Et derrière, vous allez faire un moins 5 pour aller chercher une bête. Voilà. Et deuxième deck, j'avais envie de jouer un pack contrôle, mais je savais pas trop quoi jouer, j'avais pas le temps de build un deck. Donc je suis tombé sur cette liste qui m'a fort plu. Blanc-bleu contrôle. Avec les bons Teferi. Donc il y a 4 Teferi, hein, c'est juste que j'en avais pas 4 comme ça. Le quatrième est avec cet artwork alternatif. Nova Purificatrice et aménagement des décombres pour bien wrasse le board. Scellé pour gérer le début de partie avec les royaumes carcérales. Royaumes carcéraux du coup également. Le TFA 3, il fait plaisir. 4 Absorbes, 2 Rush à Skanta, un Veto de Devine, un Somme de la Gloire pour l'étal. Même si Teferi l'étale aussi tout seul. 3 Perspicacité, 4 options pour la pioche. Et un petit château d'Ardenval qui est ici. Qui fait très plaisir. Et on se permet de jouer 3 champs de Heroine. C'est quand même vénère, mais on peut se le permettre. Passons au side du coup. Ah ouais, il y a Field of the Dead dans le format, donc Et forcément. ça paraît obligatoire. Et en plus, ouais, Field of the Dead, pour le coup, c'est un très mauvais match-up. Donc on est un peu obligé. 2 cercueils de verre, 2 décrets fervents, ça permet voilà, d'avoir de la gestion supplémentaire avec les rafales d'éther également. 2 Veto de Dovine de Narset, sûrement contre contrôle ou des gens qui jouent des mauvaises Krasis. Enfin, des Krasis trop puissantes. La Nova, si vous jouez contre aggro, vous avez besoin d'une Vraz de plus, qui gère en plus artefact ou enchantement. Le Nezahal, quand vous avez besoin d'un kill, je suppose, je vous avoue que j'ai pris cette decklist, donc je n'ai pas une explication pour tout. Et Melody Enchantress, parce qu'il y a des gens très méchants, je me suis pris une sortie de mono blanc qui a fait tour 5. Il avait joué deux Loxodon et deux Histoires de Benalia en tout, au tour 5. Donc le mec était très très fort. Et donc Melody Enchantress, ça permet de piquer les tokens pour 2 mana, Ouais. de piquer des accélérateurs si vous avez commencé. Enfin, ça permet de faire plein de trucs. Il y a pas mal de bons decks chevaliers qui traînent aussi, pour le coup, j'en ai croisé pas mal. Des versions de chevaliers qui prennent tous les bons chevaliers d'Eldraine et qui packent avec Histoire de Benalia et tout. Ça a l'air plutôt pas mal aussi dans l'idée. Hein. Un Des peu Mardus là. chevaliers avec des mana bases saines et avec les anciens chevaliers de Dominaria. J'ai pas encore buildé le délire, mais il y a des trucs à faire. Exact. Je reste fidèle, mais j'ai grand-peur pour ce rossage. Mais vous inquiétez pas. Ah, normalement, je fais ça. Ça reset le vote. Mais ne sont pas fidèles au pire. J'ai failli jouer Trahis-le. Gobelin quand je m'en suis pris un sur les 2 games que j'ai fait. Ah, j'ai peut-être fait plus de games. Je vais faire 2, 3, 3, 4 games en vrai. De BO1. Je me suis pris un mec qui jouait Gobelin. C'était genre. Bah, une race, il avait perdu le mec. Hein, mais. Waouh quoi. Ce que ça a fait. C'était très puissant. À un moment, il me fait le truc à 4, là, la 2-2 qui pioche des gobelins. Il pioche 4 gobelins. Voilà. Ouais. Ah, le meneur, eh ouais. Ouais, En pour plus, il 4, y a je la mets une matrone 2-2, je pioche maintenant qui va 4. aller chercher. Il y a la matrone qui va J'ai chercher. cru gobelin, moi. Il splashait vert et il jouait Xur'ta gobelin. Je sais pas si tu as eu la même version. Ah non, il était bien mono rouge. Il est bien mono D'accord. rouge, quoi. Voilà, vous pouvez voter. Pour l'exclamation, gamble, espace vote, espace val ou alors PL en minuscule. Si vous écrivez avec des majuscules, ça ne marche pas. Si vous voulez changer votre vote, vous pouvez très bien. Vous n'avez qu'à le réécrire avec l'autre prénom du coup. Et le dernier vote sera pris en compte. Pas le premier. Enfin, peu importe combien de fois vous votez, c'est le dernier qui est pris en compte. Hop, je t'ai vu, Lancelot, encore une fois, Val. Hein. Et Coquin. il veut essayer d'avoir le bon d'achat, hein, tout simplement. Mais comme tous les gens sur ce chat. C'est vrai. Mais s'il voulait C'est vrai, vraiment le c'est bon vrai. achat, je sais pas s'il Il voterait faut juste vraiment le Val. demander, en fait. Il n'y a pas de surprise, en fait. Vous passez en MP, vous dites, ouais, c'est moi qui ai le Yo, bon c'est moi qui d'achat. gagnais. Et nous, on regarde pas les pseudos. Vous êtes que des chiffres. Et Mais alors, nous, on c'est est faux. cons. Nous, on envoie bon d'achat à tout le monde, hein. Non, c'est pas vrai, Putain, évidemment. il y en a 30 qui ont gagné bon achat? Eh ouais, hein. Incroyable. Le pauvre Magic Bazar qui est obligé de fermer boutique à cause de nous. En faillite. D'ailleurs, à préciser qu'en ce moment, c'est le Black Friday sur Magic Ah, Bazar. Maya Et du Labiel, coup, merci chat. beaucoup à lui et à Namaron du coup pour avoir rendu ce bot incroyable. Et il nous dit que ça marche aussi en majuscule. Dans tous Ah les bon, bah cas, super. Merci pour beaucoup. éviter écrivant en minuscule, mais bon.
Et donc du coup, je vous disais aussi sur Magic Bazar, en ce moment c'est le Black Friday, et pour tout achat de cartes Magic, notamment à l'unité, vous bénéficiez de 5% sur votre commande. Et Donc sur certaines pour cartes une de carte, vieille ça paraît pas édition, très intéressant, 10%. mais si vous voulez investir sur plusieurs cartes d'un coup, notamment pour du pionnier ou quoi, ça peut vraiment valoir le coup. Yes. Alors du coup, bon, si vous êtes présent là, vous ne regardez pas la rediff la plupart du temps. Mais on a fait un test avec la rediff la semaine dernière, on ne l'a pas cuté. Et on demandait aux gens de nous donner leur avis. Et il n'y a que deux personnes qui l'ont fait. Donc là, j'en profite pour cette rediff-là. On va encore le refaire. On Ouais. va pas cuter. Et dites-nous dans les commentaires si vous préférez du coup cette version pas cutée. Puisque après beaucoup de retours, bah, les gens préféraient la version non cutée avec ces moments où les gens votent. Où il n'y a pas forcément d'interaction, etc. Mais ils préfèrent parce que c'est plus naturel, etc. Donc si jamais les gens préfèrent, bah, il n'y a pas de problème. Hein, moi, ça me fait du montage en moins. Et si vous préférez, tout le monde est gagnant. C'est ça. Bon, après, la dernière fois, les gens ne l'ont pas dit dans les commentaires parce qu'il fallait nous suivre sur Twitter pour avoir Ouais, le. c'est vrai qu'on l'a dit que sur Pour Twitter. savoir que je demandais des avis dans les commentaires. Mais là, du coup, voilà, si vous regardez cette rediff sur YouTube et que la version non cutée ne vous dérange pas, voire que vous la préférez, manifestez-vous. C'est important pour qu'on sache, nous, ce qu'on peut faire pour vous, quoi. Ah bah apparemment tout le monde préfère pas cuter. Bon, je crois qu'on a déjà la réponse. On va juste pas cuter alors, hein. On me demande d'où vient la réplique, l'expression la morale de cette histoire. Eh ben elle vient de moi. Voilà. Non, mon rôle, cette histoire, La morale de cette histoire. ça vient surtout de la fable de La Fontaine que tu as remasterisée. Oui, voilà. Ça vient de. Ou même de n'importe quelle fable qui a une morale. Je pense que cette phrase doit être pas loin. Oui, mais parce qu'en fait, le corbeau, enfin, pas le corbeau, mais le narrateur, ah ben non, c'est le Mais corbeau qui dit ça. je crois que dans les fables de La Fontaine, personne dit la morale de cette histoire. Genre, T'es ils disent un sûr? truc pas loin, mais ils disent jamais C'est pas cette dans Le phrase, je Corbeau et le crois. Renard qui dit la morale de Non, cette histoire? ils disent cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ah ouais? Ah putain, tu vois, je confonds. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais tu vois, je te dis, c'est un peu la morale de cette histoire, quoi. Ok. J'ai chié sur La Fontaine, on me dit. Quand même, je le Du respecte, coup, grand monsieur. tous les gens sur le chat disent no cut, no cut, mais en même temps, ils sont sur le chat et ils veulent voir le live. Mais il y a beaucoup de gens qui nous consomment que sur YouTube. Et donc, c'est aussi leur avis à eux. On veut savoir Ouais. s'ils veulent du cut ou pas, quoi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste cutter les 5 minutes de début. Ça, on peut le faire sans faire du montage, entre guillemets, puisque Ouais, bien YouTube sûr. permet de raccourcir le début et la fin d'une vidéo facilement. Ok. Alors. Ou on peut Bon, je également faire pense des que les liens, mais gens. bon. J'aime vous consommer, dit Jean la baguette. Ok, putain de chaleur, c'est Ça, dans c'est OSS 117, 117, ça. Rio ne répond plus. C'est Bill Tremendous qui est dans la voiture Bill! En avec... plein dans le dos! D'accord, faisons comme ça. Incroyable. Sacré Faisons comme Hubert, ça. toujours le mot pour rire. Alors, du coup, je peux arrêter maintenant. Tac. The vote is now closed. Et on tirera au sort après l'affrontement. Val, es-tu prêt? Yes, je suis prêt. Ah, il me Allez, faut cut le ton. retour. Ouais, je te mets sur pause. Il faut que tu m'envoies. Alors attends, je vais regarder si j'étais toujours dans les tags de rossage. Alors, moi je sais toujours, yes. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, Oh là là. j'étais toujours aussi. J'aime me Super. battre. Super. Oh, c'est super ça. Oh, c'est super. Ah, Maya J'aime de Labiel ne me pas avoir dit, la le bot ref. a planté durant le vote. Qu'est-ce qui se passe du coup, Maya Labiel? Est-ce qu'il faut refaire le vote? J'aime me beurrer la biscotte. Avant de lancer, ce serait mieux. Du coup, tout le monde a gagné un bon d'achat de 30 euros. Appel Magic Bazar, réunion de crise. Alors vous ne Je te recevez pas vois de avec message, Lucas. mais il est en validation par Twitch, et quand Twitch l'aura validé, le bot aura la capacité d'envoyer un message de confirmation. Non, la liste d'amis a été retardée pour tous ceux qui se demandent. J'ai aussi des messages privés qui me demandaient où était la liste d'amis. Elle a été annoncée effectivement, mais ils ont préféré la remettre à plus tard parce qu'ils n'étaient pas encore satisfaits de ce que ça donnait. Je crois qu'il y avait quelques bugs ou quoi. Il y avait un bug Voilà. du style Donc ils quand vous préfèrent. lancez, vous pouvez pas sélectionner votre deck, un truc comme ça. Du coup, avoir une liste d'amis et pas pouvoir jouer avec ses amis, bah, hors de question. Donc Ils ils ont dit. préfèrent juste la remettre à plus tard pour que ça soit plus qualitatif. Il y a pas mal de bugs en plus en duel d'amis déjà de base, donc je pense qu'ils veulent tout régler, quoi.
Alors, j'attends la confirmation de Namaran sur ce qui se passe. Ne votez pas, s'il vous plaît. Parce que quand vous votez alors qu'il faut pas ou que vous faites des blagues avec Slash Gamble quelque chose, et bah, ça peut faire planter le bot. Donc évitez. Parce qu'il faut savoir que le bot est tout le temps actif maintenant sur le chat. Et je n'ai plus besoin de le lancer, donc ça c'est une bonne chose. Ah, c'est un bon bot quoi, c'est un bot Il y autonome. a le bon bot et le mauvais bot. Mais Tu vois, ouais, le mais mauvais tu bot. sais que le bot autonome, le bon bot, c'est l'avenir de l'humanité. En tout cas, c'est notre péril. Hein. Est-ce que tu dirais bon bot, mon sauce? Bon bot mon sauce, mais je pense juste que s'il y a beaucoup de bons bots sur Terre, il y aura beaucoup de il y aura beaucoup moins d'humains, je pense. Ça dépend si c'est des bons. Faut faire Bon dans le attention. sens, il est gentil, ça va. Ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce que la gentillesse pour un robot? C'est un bot dédaigneux, exactement, en philologie. Arrêtez Est-ce de que le voter, s'il fait vous plaît, de. sinon vous allez vous prendre des tartes par lanceau. Est-ce que couper un humain en deux, c'est un acte de non-gentillesse du regard d'un robot? On demandera ça. On m'entend en double. Ah, bizarre. Bah, tu es le premier robot Je de suis le cette premier chaîne. robot. On demandera ça au Cybertruck, Val. Cybertruck, la La fameuse voiture voiture d'Elon Musk. capable de couper en deux. Eh ouais. Cette voiture, vous avez un accident avec, Ah, vous alors mourrez pas du choc, vous mourrez coupé. le vote a été recréé, donc je vais vous demander de revoter, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ah, effectivement, faire ça, Lyon. Si le robot doit fendre un humain en deux, mais que c'est pour sauver toute l'humanité, est-ce qu'il le fait? Ah bah si c'est un robot, oui, il a pas d'état d'âme et pas d'émotion. Mais non, mais un robot qui réfléchit. Je te parle pas juste d'un bras armé, tu vois, comme ça. Je Ah te mais bien parle sûr, d'une mais un IA. robot peut réfléchir mais ne pas avoir d'émotion. C'est pas pareil la réflexion et l'émotion. Oui, c'est vrai, il va juste Les peser pour le psychopathes contre. réfléchissent et n'ont pas Non, mais d'émotion, avec pardon. une AI, tu vois, D'émotion. il apprend à. D'ailleurs, putain, Il apprend à aimer. ça me fait penser, Est-ce qu'on peut coder l'amour, PL? ils avaient lâché une IA sur Twitter qui apprenait avec les tweets des gens et ses interactions. Ouais, et du coup, il répondait n'importe quoi, et à la fin, elle était extrêmement véhémente Ouais, tu connais cette et tout ce qu'il histoire? faut pas. Ouais, je la connais, cette histoire. Elle finissait par avoir des tweets racistes, nazis et Ouais, compagnie. c'est horrible. Voilà, c'est Parce ça. qu'elle En se fait, nourrissait de toute la merde qu'il y a sur Internet, quoi. elle est partie dans l'ultranationalisme et je crois que. Enfin, elle, parce qu'il considérait l'IA comme féminine. Ouais. Et je crois aussi qu'elle se prenait pour une fille de 14 ans. Mais ça, c'est le truc le plus fou pour moi. Genre, comment l'IA s'est dit, Tout sur je suis une Internet, ado? quoi. Une fille raciste, antisémite et nazie de 14 ans. Super, les IA qu'on lâche sur Du coup, ils Internet. ont coupé le bot de suite. Et après, ils étaient là en mode bon, du coup, on n'est pas prêt. Le Mais programme c'est n'est pas comme, bon. il y a cette histoire où il y a deux IA qui devaient créer un nom de code et communiquer et s'envoyer le nom de code. Et il y a une troisième IA qui devait décoder le code que les deux IA se sont envoyés. Ah, je connais La pas ça. troisième IA n'a jamais décodé le code que les deux IA tierces se sont envoyés. Ouais, parce qu'elle C'est-à-dire que était du coup, il y seule. a deux machines qui ont parlé sans que l'humanité ne puisse savoir ce qu'elles se sont dit. Oh, c'est formidable. Ça se trouve, elle disait juste baguette, croissant. Baguette, Ouais, si peu, croissant. se disait juste détruire l'humain. C'est Non, mais c'est ça, fou. aimer. Et ensuite, elle s'est éteinte. C'est fou. Ils ont programmé trois machines. Il y a la machine A qui doit communiquer avec la B en lui faisant passer un message. Et la C, elle doit déchiffrer. Elle n'a jamais déchiffré. C'était Je avec trouve ça trois fou. Google Home? Non, c'est pas vrai. C'est avec les Google Home de tout le monde, là. Je sais pas, mais je trouve ça incroyable. Si l'anecdote est vraiment L'anecdote? l'anecdote, je trouve Ah, ça c'est une incroyable. bien belle anecdote. Genre, je suis sûr que les scientifiques, ils étaient là en mode merde, elle a dit quoi là? Et d'un coup, tu sais, il parle plus en langage codé, il lâche un truc en mode c'est pour bientôt. Et les mecs font quoi? Et après, il fait bip bip 1001. Horrible quoi. Mais franchement, bah, ça me fait flipper tout ça, tu vois. Enfin bref, bon, on a raconté assez de conneries là, je pense. Du coup, on a bien répété, vous, il fallait revoter hein, pour tous ceux qui Oh n'ont oui, tout le pas monde a revoté. revoté. Ok, Oh, alors une c'est bon. discussion entre Google Home, Alexa et Siri, incroyable. Bah, il y en a un qui dit bonjour et après deux autres font je n'ai pas compris et voilà, c'est une boucle. Incroyable. Voici le temps qu'il fera sur Toulon demain après-midi. Je n'ai pas Merci, compris. j'ai pas demandé ça mais. Je n'ai pas fini. C'est probable, hein, la recette et la cuisine. C'est probable qu'un jour on demande à J-Rock, qui sera le meilleur joueur de la planète, d'affronter une IA et qu'il Ce sera le perde. Kasparov de 2020.
Ah, ça serait ouf. Incroyable. Ça serait ouf. En vrai, Mais comme Sparky, il est chaud J-Rock est un déjà. robot Hein. déjà, bah du coup ça fera juste un duel de robots. Ouais, en fait, ce sera le robot championship La 7. machine. Et on verra deux IA jouer parfaitement. Et il n'y aura que l'aléatoire qui les différenciera. Qui les départagera. Et on se dira, ben ouais. Et nous, on devra essayer de deviner, genre, les plays. Et les robots feront des next level plays, on fera Ouais, mais tu sais, ils auront des plays sur 4 tours, tu vois. Donc du coup, tu pourras pas comprendre ce qui se passe. waouh. Du coup, pas de crash pour ce vote-là, je vais voir ce qui a causé le crash. Ok, super. Est-ce que tu Ouais, peux les IA ont close le du mal avec vote? Magic, Est-ce que tu peux effectivement. fermer le vote, pardon, Maya Labiel? Je te laisse faire, comme ça, il n'y a pas de mauvaise manip. Et je demanderai aux gens d'arrêter de voter. Et surtout pas de voter n'importe quoi. Et si jamais ça Ouais. recrache, on fera gagner au sort parmi tous les participants. C'est une bonne idée, Stark Warrior, d'inviter des gens pour les rosser. Le problème, c'est que ça prend du temps, mais on s'interdit pas de faire ça, effectivement. Merci pour le Et sub, faut être Niro dispo Lady. un lundi soir aussi. Enfin, faut que les Mais gens oui, soient dispo. franchement, à terme, pourquoi pas. Merci beaucoup à Illidanou, très marrant ce pseudo. Et Birol MTG. Alors j'attends la confirmation que le vote est terminé. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu l'explication, Vanaxarion. Mais Ouais, moi aussi j'ai lu l'article dessus. j'irai checker la vidéo, on m'en a parlé, ça a l'air très très cool. D'ailleurs, c'était une personne qui travaille à Magic Bazaar qui m'en a parlé. Salut à toi si tu nous regardes. Se faire rosser en live, chouette soirée. Ça te dirait de passer ton lundi à te faire casser la gueule? Ah ben j'adore, je signe où, je gagne quoi? Rien, mais sur un malentendu, c'est pas mal. Et non, on commence pas The Mandalorian parce que bah, c'est sur Disney+, et que c'est pas en France. Je Nous savais pas. best. Ah mais c'est de là que ça vient, tous les petits Yoda. Probablement, Je j'ai vois pas vu plein la de série, donc photos je sais pas. de petits Yoda. Enfin, je suppose que c'est pas des Yoda, mais... Ah, Maya Labiel me dit que c'est bon. Enfin, Ah, elle super. nous. C'est parti. Est-ce que tu as toujours mon tag? Tu m'as dit oui, je crois. C'est bon, je suis prêt, il faut juste lancer. Non, normal, juste en BO3, Match quoi. des filles devant je gagnante. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je prends? T'as déjà choisi, toi? Ouais. Non, le mec, il est prêt, quoi. Vas-y, go. Go, 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 go! Power Rangers, touli-louli-la. Ah, il Ah, y a un c'est bébé bébé Yoda. Yoda. Mais c'est la Oh, même incroyable. race que Yoda, Bah, la même j'imagine. espèce, je sais pas comment on dit. Ou alors que c'est vraiment Yoda jeune. Ils ont retué Star Wars. Ils l'ont déterré pour le réenterrer, c'est cool. Ouais, c'est bon, ça va se rosser, là. On y D'ailleurs, est, là. j'ai C'est vu maintenant. un mème incroyable, un mix entre Barack Obama et le petit Yoda. Ils appellent ça Yodaba, je crois. Et c'est formidable, voilà, que quelqu'un ait créé ça, je trouve ça fou. C'est Yoda qui a 50 ans, on me dit. On me souffle dans Ah l'oreillette. d'accord. Mandalorian, ça se passe entre le 6 et le 7, ça peut pas être Yoda, ok. Ouais, je suis trop content de voir d'autres Yoda. Mais du coup, est-ce que tous les Yoda sont Jedi? Ou est-ce que il y en a peu? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas du tout. Genre. J'ai pas l'information. Genre, est-ce que l'espèce est forcément Jedi? Ou est-ce qu'il y en a certains qui sont Jedi comme dans toutes les espèces? C'est une bonne question. Ah bah Yoda, il est c'est le là grand lui. frère de Yoshi? Je crois pas. Ça va un peu vite pour moi quand même. Bref, t'es pas en reste, hein. Ça part sur Nissa, là, hein. Ça pourrait, en tout cas. Ça fait du mana, tout ça, quand même, hein. Oh, gentil quoi. Ah, ils sont sensibles à la force, mais pas forcément Jedi, ok.
prends 7, je suis pas difficile. Prends donc fanatique. Oula. Il y en a du beau monde. On essaie, hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as 7 mana. Ça va vite quand même, hein. Eh ben ouais. Est-ce qu'il y a une épée? Mon C'est une plan de bonne jeu, question. c'est faire plein de mana et gagner avec des Krasis ou des Hydrovoras et des Viviennes et des Nissa. Je peux Comment ça, pas faire un Voras? foot, je Insulte crois. pas le chat comme ça. Et On met Voras. où? Il y a 16 moins 4, 14. Je suis mort si on meurt cleave. Donc je vais dire ok. Mais bon, elle est pas là. Je pouvais pas faire de food fin de tour parce que j'avais qu'un mana et le deuxième mana c'est avec Wador. Donc pour avoir deux mana, j'avais engagé Wador et c'était pas bon. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit mana, huit mana, huit mana. Seize moins quatre, 14. Non, non, Toru. Que faire? C'est dur, hein? Ouais, je dis 16, mais c'est 18 en fait. Il pouvait pas cast Summer Cleave avec un seul attaquant. Ah, il avait 4 mana, pas 5, ouais. Vous savez, le lundi, on est fatigué. C'est peut-être pas le meilleur moment pour rosser, mais c'est le meilleur moment pour se faire rosser. Ok, il n'y a plus de subtilité là. T'as quand même pas top deck, Val, ce serait dégueulasse. Je réfléchis. Vas-y. Bah, Tranquille. si j'ai un Burkleave, je crois qu'il faut pas. Je crois qu'il faut pas. Faut pas. Hein. Est-ce que je peux faire un faux pas surtout? Hop. Ah ouais, je suis à poil, quoi. Ouais. Oh, le petit foot qui met bien quand même, hein.
Quand même 6 mana encore. Hein. C'est chiant ça. Hein. Non, 4, 5. C'est vrai que tu peux pas utiliser le Wador, effectivement, je dis des bêtises. J'aurais pas pu Once Upon a Time après le blog, j'avais plus de food avec loi. Ou alors si je le faisais, ben je mourrais. Donnez pas la main de PL sur le chat, du coup, c'est important parce que moi je vois le chat. Pour le coup. Même si c'est pas très pertinent de savoir qu'il avait un Watt, je veux pas le savoir quoi. Un tour de répit. Oh, allez, vas-y, Val. C'est le suspense. Hein. Je sens que je vais pas perdre une 2-1. Ah, je le sentais. Il est pas perdu. Il est pas perdu même. Tenir, il faut. J'avoue. Ah, j'avoue, mais ton teuf là, qu'est-ce que t'attends? This'll be fun to watch. On se prend des assauts là. Putain, c'est moi qui ai 4 cartes en main, mais la moindre carte en face me fait peur. Cog. Alors, ouais, c'est pas évident. J'ai oublié d'attaquer avec l'oie, ouais. Bon, au bout d'un moment, il y en aura plus les 5-5. Putain, j'ai eu peur. Je croyais que t'en ressortais une. Je vais dire, hey, c'est bon, et ça, toutes quand. Bah, j'aimerais bien toutes les avoir ou juste piocher un Burkleave et gagner, ce serait bien quoi. Parce que là, je sens la victoire s'éloigner, tu vois. Ça m'emmerde un peu. Non, en vrai, elle s'éloigne pas, mais elle se rapproche pas quoi. Elle reste à mi-distance. Putain, t'en as quand même beaucoup d'écrasis, hein. Ouais, mais elles sont toutes petites. Eh ouais, mais bon, 3 Krasis en 41 cartes, ça te fait bien vivre, quoi. Elles sont pas si petites grâce à Vivienne, c'est relou, quoi. Ce sera un problème plus tard, ça. Mon Dieu. Mon Dieu que je suis couille.
Ah, si j'avais trouvé un number cliff, j'aurais gagné depuis 5 tours, je crois. Je calcule, hein, les gars, parce que là, on se fait quand même bien sauce. Ouais, il fait tellement d'autres trucs, Maya Labiel, que même s'il te fait passer à côté de l'Umbercleave, il t'a surtout aidé à te fixer, à faire une sortie décente, quoi. Alors. Insupportable cette forêt-là. Allez, juste une Umbercleave et c'est réglé, quoi, putain. Allez, je vais pas bloquer, non. Ah, Costing Beast. Là, si je dis no block, Val, tu fais quoi? Je gagne. C'est Le bien ce fail braise, mais c'est tellement ça, quoi. qui me semblait. Je suis en train de me demander quelle bête je garde. Ben, aucune en fait. Aucune, en fait, t'as pas le choix. Ah, il est là, le once upon. Est-ce que je peux top decker une taille brèche, je vous en supplie? Please. Ça me ferait plaisir quand même, une petite taille braise. J'aurais dû jouer Pestefeu, je suis con. Où t'es quand Val? Bah ouais. Ah, j'ai pas avancé, tu vois. C'est dingue, hein. Alors est-ce que je prends le risque? Si tu top deck Umbercliff, je suis mort avec bête de quête, ouais, donc c'est pas trop un risque à prendre en fait. Peut faire quoi? On peut faire ça. Je les connais, mes derniers outs, et franchement, ils sont loin, quoi. Putain, top deck pas de géant Krakos. Ah, c'est horrible. La game que je vis est insupportable. Je vais top decker un Jean Craco, c'était au courant. Ben, j'espère. Deux landes d'affilée, bien joué. Bien joué. Insupportable quoi, horrible. Ouais, non, j'avoue, t'as pioché que des landes. Alors, comment est-ce qu'on side?
C'est moi qui commence, donc je reste le joueur agressif. J'ai marqué le cuir. Exactement. Alors bon, comment on fait les trucs fumés là? Ça fait quoi ça les gars? C'est bien ou pas? Je sais plus, moi il joue que des grosses bêtes. C'est bon, j'ai 6 dés. Mais je vais essayer de gagner celle-là, les gars. Je suis désolé. Rentre tu J'ai sais qui choke à à la la place fin. du tu sais quoi? J'ai choke. Le mec, il était en situation de clutch, choke. Je vais sider plus de Plus qu'une time game à raise. voler, Je suis PL. con. Yes! Non, je crois que je rentre pas ça. En vrai, Quel ça, je le putain de rentre, mais c'est chat. dans l'espoir que je vive. J'ai transpiré 30 litres. Putain, c'est dur de savoir ce que j'enlève en vrai. Genre, j'ai envie d'enlever rien. Est-ce que tu as envie de mettre des trucs? Ouais. Ouais, après Kerachar, en vrai, j'avais pas besoin de top decké. Ma sortie était suffisante pour le battre si j'avais une Humber Cleave ou si top decké pas 3. Enfin, s'il avait pas 3 Krasis en 19 cartes aussi. Écoutez, je side comme ça. Certains diront que c'est sidé avec le cul. Ces gens-là ont raison. Je valide la parole de ces gens-là, du coup. C'est intéressant. Pardon, Oh, c'est je deviens bizarre fou. ça. Ce que je fais? Ouais. C'est bien ça. Paraît que ça aide à faire des grosses sorties. Quelle putain de chaleur. Présentez-vous. Oula. Ah, rapidement passer à la 2. La 3 du coup. Oh putain. Ah gros, c'est abusé. Oh non, ça c'est abusé. Allez. Présentez-vous. Oh, se donner à la une pour perdre contre ça, c'est dégueulasse. Bon, du coup, on n'a pas pu voir ce que donnait le side. Oh my God. Je suis un monsieur. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avoue, qu'est-ce que c'est? Waouh. Oh la puissance, épique, épicness. Ah là là, je suis désolé, je suis, je me Ah, il serais faut de la enculé chance moi-même. parfois. Je vais essayer de le rincer, ouais. C'est dur, vous Ouais, savez. j'avoue que j'ai vu ma main, j'étais là en mode ah, il se passe des trucs quand même. Qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais plus. Ah non, je crois que j'enlève quand même un comme ça. Allez, on y croit. Ouais, attends, je Jette réfléchis. douleur. Ouais. Là, c'est toi qui commence. Oh, j'ai pas volé la game, les mecs, à la une. Franchement, je me suis battu, j'ai réfléchi et tout, j'étais à un pev. Non, tu l'as pas volé, hein. Il lui a manqué la reach, quoi. Ah, mais c'est très dur de battre ce que je viens de faire, Looker. Hein. Vraiment. Enfin, je connaissais pas ta main, mais c'est effectivement pas donné, quoi. J'avais une main lente et tu me mets 4 bêtes tour 2. Je suis C'était quoi? J'ai fini, pas quoi. compris. Bah en gros, la Burning Tree Emissary, elle dit que quand elle arrive en jeu, elle redonne du mana en fait, elle se remplace automatiquement. Donc en gros, elle arrive en jeu, elle ajoute 2 mana, on rejoue la Burning Tree. Et à la base, j'en avais que 2 dans la main de départ, j'ai top deck la troisième. Déjà 2 c'était ok parce que t'avais Xur'ta. Bah ouais, voilà. En fait, j'ouvre une main avec un land, un elfe de la Nowhere, deux Emissary, un Xur'ta. Je dis, bah vas-y, c'est keep, hein. Je suis sur le play. Tous les jours, quoi. Pour toi, mon loulou. Et merci beaucoup à Samir pour le don de 10 euros. Je soutiens PL, mais quelle Merci. sortie. Ah ouais, Il c'est dur fallait hein, de le se prendre tuer, ça. la pauvre bête avait la Merci beaucoup pour le don. Ouais, c'est rigolo pour la vidéo, quoi. Il y a du choix et ça se voit. On va prendre ça quand même.
Agrul, c'est le meilleur deck. C'est pas meilleur... Enfin, ouais, c'est un bon deck. En tout cas, il y en a pas mal sur le ladder historique, ouais. Après, June, c'est le meilleur deck, moi, je trouve, mais... À voir. Géant Krakos. Ah, c'est beau, Jund, hein. C'est stylé, hein. Oula, à la mano, quoi. Ah, les temps sont durs. C'est le problème que la première carte que tu pioches, c'est l'inné d'abondance. Ouais, c'est relou. Je conçois. C'est dur à arrêter ça. Ça, tu fais 2 mana du coup avec. Ok. Avec Druides, ouais. C'est fort ça, putain. En vrai, il valait mieux tuer un collecteur de peau là, j'ai mal joué. Heureusement qu'on joue 22 landes. Ouais, aïe 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 aïe. Ah ouais, on prend 10. Hein. Ouais, June, c'est noir, rouge, vert, Gordus. J'ai l'impression que le premier BO se passe toujours comme ça. Attends, donc je réfléchis là. Moi je dis Jund, plus belle magie. Tu joues pas Settle the Wreckage? Bah Galta c'est un peu overkill Sigriff pour le coup. Ah j'ai pioché que des landes. Et elle a ouais. Winley. Ouais, ouais, c'était pas j'aurais fou. Peut-être pas dû garder la main, après bon, j'étais pas obligé de piocher 5 landes. C'était quoi ta main de départ? C'était Once Upon a Time, Hydrovoras, Druides et 4 landes. Ouais, je la garde moi, Mais tous les jours. je joue 22 landes, tu vois, je me dis, je vais pas en piocher plein, quoi. Je la garde tous les jours, hein. T'as pas eu de chance. 1-0, bien joué Val. Merci, merci, merci. Merde, non. C'est pas une très belle troisième game, je suis désolé. Et ben on passe à la 2, allez. Allez, let's go. Du coup, c'est 4 couleurs de Red Horde contre Azorius Control. Ça va être difficile, ça. C'est rigolo. Ça dépend de combien de Planeswalkers tu résous. Ouais, voilà. Faut que j'en résous un maximum. Alors, du coup, je te donne le play ou t'as lancé direct J'ai lancé, donc faut que tu me donnes le play. Ouais, je te donne le play si jamais je l'ai. Ok. Go. Donc je pioche en premier. C'est bien ça. Bah, tous les dégâts gardés de main à 7 et ça c'est pas trop mal. Ouais, après c'est ce qui suit qui compte aussi. Parce que j'avais gardé une main 7 à la game d'avant. Ouais, c'est vrai. Je fais du moule 0. On verra ça en fin de stream, Yannok.
Ah, ça joue des opts, ok. On économise. J'ai pas trouvé le troisième land du coup. Malheureusement. Oui, c'est un historique, c'est écrit tout au sommet et dans le titre. Un petit PV, ça fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Bien joué. Oula, ça me plaît pas des masses ça. J'aime pas trop ce que tu fais là. Ça va, c'est un petit teuf. Il est gentil, je t'avoue qu'il est gentil, mais ça m'emmerde un peu quand même quoi. Tiens, on va repartir chez lui. Ah bah il est Juste mort. un instant. Ça fait plaisir de revoir Tef, hein. Franchement, il était fort ce Tef A5. Il était stylé. Il était fort pour du standard, tu vois. C'était un Planeswalker fumé, mais balance. Vous me dites le chat si jamais vous trouvez une ressemblance avec la game d'avant. Faites un comparatif. Après, là, t'en joues un petit peu plus des landes, mais. C'est vrai. Combien de cartes en tout? 15. Quand même. Salut, Ziobrick. Je me rappelle plus trop de ce que tu joues. Ça m'a l'air décent de faire ça. Ouais, c'est ok, ouais. Effectivement. Merci beaucoup Daiko. Ça va commencer à devenir un sketch, du coup. Top deck que des landes, mais casse ton champ de ruines au pire. Ouais. Meilleur van. J'oublie pas Sigriff.
Ouais, c'est vrai, je sais, je fais des erreurs, mais je. Ça me déconcentre là de d'enchaîner deux parties comme ça en fait. Je regarde pas le chat, donc ne parlez pas des cartes dans la main de PL, hein, même si il fait des erreurs ou quoi, ça arrive, j'en fais aussi et vous pouvez pas voir ma main, donc Ah, il parle que de mes landes là en jeu. Ah d'accord, ok, ça marche. Mais bon, De mes faites landes en attention parce général que des d'ailleurs. fois, par exemple, tout à l'heure, ils m'ont spoilé que tu avais un Once Upon a Time dans la main, donc Ouais. c'est pas très bien pour le coup. C'est pas très bon, hein. Et voilà, et du coup, j'ai pas envie que vous me spoiliez, tout simplement. C'est honteux. Mais non, c'est pas honteux. Putain, il a Dracu 7, quoi. Je m'y serais pas attendu, quoi. J'en ai mis partout ces gars des châteaux. J'en ai mis devant, j'en ai mis derrière. Il a pimpé son deck. Je vais rien faire avec ces trois plaines. Ouais. Ok. Ouais, j'ai compté, j'étais à 11 landes sur 15 cartes piochées. Ouais, c'était pas très bien, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Ah, j'ai des cartes rouges. Genre, j'ai pas le droit de m'en servir, quoi. Ah oui, c'est le fameux bug. Ah, si je sors les cartes que je veux pas, je peux plus les rentrer. Faut Ah faire oui, moi attention. aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Putain, faut faire gaffe à ça. C'est toi qui commences là. Moi, ils me disent que j'ai des cartes que j'ai pas, ou qui sont pas légales. Ah. Alors que si, hein, je les ai et elles sont légales. Je vais virer les landes, ouais. Alors, quand il y a un Teferi en face, Alix absorbe en fait, à part caler un canapé, ça ne sert à rien malheureusement. C'est pour ça Ouais, que je j'ai peux pas pas après. gardé l'absorbe que je vois au-dessus du pack. Parce que sur mes Scry 4, j'ai deux landes, un absorbe et une Vrasse. Du coup, que des cartes qui servent à rien. C'est ça, c'est l'avantage de 4 couleurs de Red Horde, c'est de pouvoir jouer petit Teferi pour invalider les plaies de ton adversaire en fait. Parce que sinon, c'est un deck qui est un peu mou et qui remballe sur les contres, quoi. Merci pour le sub, Dark Mathieu. Merci beaucoup pour le sub. Oui, j'oublie pas que ce jeu est que vous inquiétez pas, ça ferait pas des années que j'y joue sinon. Ah, mais c'est d'enchaîner, c'est toujours ça le problème, je l'avais dit, je dis souvent en stream, une mauvaise game c'est toujours chiant, mais les enchaîner c'est ça qui est très dur et.
quand vous avez passé, enfin quand vous êtes fatigué en plus, c'est encore plus dur Non, mais ça va le faire, de là, on va faire des sortir, belles quoi. games. Et au pire, même si on fait pas de belles games, bah, on fera un duel de top deck rigolo à la fin et ça va le faire. C'est un peu faible quand même comme play. Je me fais pas rêver là. Ça va? Écoute, je vais pas me faire rêver non plus. Ah ouais, je t'avoue, ça fait pas rêver du tout même ça. Non. Bah, ça, c'est quand il se passe l'effet inverse de piocher 11 landes sur 14. C'est dingue. Oko. Ouais, c'est marrant. T'as pas trouvé ton cinquième land, sérieux? Ton, tes J'ai. quatre landes? Non. Ah ouais. C'est la vie. Non, mais il y a des jours, c'est pas ça. De toute façon, je vous avoue que depuis hier sur Magic, je sais pas si j'ai gagné une game. Entre mon test pour le tournoi, les quelques games que j'ai faites avant. Et ce soir, du coup, si j'ai gagné une manche là ce soir, la Ouais, toute c'est pas première. ton. T'as gardé une main qui était comment? Trois landes, des cartes actives pas chères, TFA 3. Ok, et le reste vient pas, ouais. Et en plus, j'ai. Ouais, je vais pas me battre plus longtemps, j'ai perdu. Ouais, j'ai Negate en main en plus et Command the Dreadhorde, donc. Eh ben, t'es court ce Rosmois. Moi. En plus, Je j'ai. suis désolé, c'était deux non-games les dernières, c'était pas très drôle, quoi. J'ai deux blancs, un bleu. Bah, même les trois dernières games en vrai. Ouais. J'ai deux blancs, un bleu et j'ai des absorbes en main. Qu'il faut deux bleus, un blanc. En plus. Non, mais ça arrive malheureusement. Je sais pas si je devais mulligan. Je pense que sur n'importe quel land, en fait, ma main devenait bien. Quoi, si ta main elle a 3 landes main de départ, moi je la mulligan pas. Hein. 3 landes c'est ok. Quand tu joues contrôle, tu veux 3 à 4 landes par main. Moi je mulligan en contrôle, je mulligan toutes les mains qui ont que 2 landes. Et encore, je considère si j'ai un contre à 2 et que je suis sur la draw. Ouais, si t'as des piocheurs aussi, si t'as deux landes et opt, tu te dis que tu vas les chercher Ouais, aussi. ça peut aussi le faire, ouais. Voilà, casser le jeu avec sa sortie grûle. Ouais, c'était pas très chouette ça, mais c'est rigolo quoi. Eh ben félicitations, eh ben écoutez, on va tirer au sort tout de suite. Merci. Merde, je me rappelle plus comment qu'on fait. Ah bah ça fait plaisir Yannock, j'espère que tu te marres bien. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas nos anciennes vidéos, on a les best-of qui sortent environ toutes les 2-3 semaines, qui sortent le dimanche à 14h sur YouTube. Et il y a pas mal d'anciennes vidéos, et même moi, du coup, quand je regarde les best-of, je me rappelle de moments où même de decks qu'on jouait, et j'ai un petit sourire, quoi. Je trouve ça incroyable. Félicitations à Magic174, du coup on attend de voir s'il est bien là, s'il est bien dans le chat, GG à toi. qui gagne le bon d'achat de 30 € du coup voilà chez Magic Bazar sans obligation d'achat. Ça me parle ce pseudo. Il aurait pas déjà gagné une fois? Non, c'est impossible. Ça me parle aussi, mais en même temps Magic, pour des joueurs de Ouais, Magic, peut-être. ça parle forcément quoi. Dis-nous dans le chat, Magic174, si t'as pas déjà gagné, ça serait incroyable. Tu regagneras, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais je trouverais ça très drôle que tu aies gagné deux fois. Ah alors non, Maya Labiel, il fallait pas tirer au sort, j'avais déjà tiré au sort. Et du coup, désolé KO, tu n'as pas gagné. Non, je suis désolé, Et on grosse joue mauvaise contre nouvelle les pour ours, quoi. KO. À moins que Du Magic coup. 174 ne soit pas là. S'il n'est Et pas du là, bah du coup, coup c'est on KO. retirera au sort. Bah du coup c'est KO, puisqu'il y a déjà eu un tirage au sort. Ah oui, d'accord, ok. KO, il a été tiré au sort par. Par Maya Labiel, ouais, mais moi j'avais déjà fait le tirage au sort. Ah d'accord, j'avais pas compris. Oui, bah effectivement, si Magic74 ne se présente pas dans les 5 minutes, évidemment, bah écoute, ça sera pour toi, KO. Désolé pour l'ascenseur émotionnel, vraiment Pas grave, désolé. Maya. Mille excuses. Alors Magic74, est-ce que tu peux te faire est-ce que tu peux nous faire signe sur le chat, s'il te plaît, d'une quelconque manière? Je vais le hashtag. Coucou, Ouais, il y tu a as la recette et la gagné. cuisine qui l'a hashtag aussi. Coucou, tu as gagné. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit duel de top deck, là, rigolo. Et il a tout le duel de top deck pour se présenter. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. C'était plutôt fair. Allez. Et à la fin du duel, si Magic 174, tu n'as pas parlé sur ce chat,
C'est KOMTG qui remportera les 30 euros. Alors KO, je te laisse donc du coup tout le temps d'aller dédos Magic 74. C'est parti. Alors attends. En historique, hein. Ouais. D'accord. Et genre on joue ce qu'on veut? Comment on n'a J'ai pas pris un défini. deck. T'as pris un deck, De ok. toute façon, on Attends, va je vais mouliger prendre. à zéro, donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais je pense qu'il y a des decks qui s'en sortent mieux que d'autres quand même. Élimination directe. Alors attends, qu'est-ce que je prends, moi? Mon Dieu, qu'est-ce que je prends dans cette histoire? Tiens, bah vas-y, je prends ça, ça a l'air drôle. Je check le chat, hein. Eh ben t'as bien fait, Bolob. Plus de batterie dans le clavier. Il cherche un câble USB en sueur chez lui. Putain, je me les gagne une belle main. Ouais. Je regarde pas trop parce que. Oh, quoique, non, j'ai pas fait des mauvaises mains vraiment. C'est des mauvaises pioches que Non, j'ai t'as fait des faites. mauvais tirages derrière. Tes mains, si celles que tu m'as décrites, je les aurais gardées aussi, je pense. Hop. Et franchement, Magic, il est pas là, hein. Bah, je Il est pensais vous pas. parler si je me faisais éclater, mais pendant, sauf que ça allait trop vite. Je me suis fait trop vite éclater, je vous en parlerai pendant mon stream du Nuzlocke. Est-ce J'ai que déjà plein de tout le choses à monde dire. sait ce qu'est un Nuzlocke, peut-être? Est-ce que tu peux leur Un expliquer? Parce que Nuzlocke. moi, je connaissais pas, je suis pas forcément consommateur de Pokémon, mais je trouve ça très hypant comme style de jeu. Voilà, c'est un C'est truc assez qui me simple parle bien. comme principe. Vous avez, donc vous connaissez tous Pokémon, le principe, etc., je suppose. Et quand vous êtes en Nuzlocke, ouais, t'es trop fort, voilà. Vous J'avoue. vous obligez, en fait, à. Vous donnez des contraintes, pardon, de respect. Ah, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Vous donnez des règles supplémentaires que vous devez respecter. Le jeu ne vous y oblige pas, donc c'est vous qui devez vous y obliger. Comme règles supplémentaires, vous avez. La classique, c'est. Enfin, vous en avez plein en fait, mais les règles classiques, c'est vous devez donner un nom à tous vos Pokémon. Vous devez. Ah, ça va. Bien joué. Ok, GG. Je la concède pas, mais c'est pour le sport. Tu sais ce qu'on se fait? On va se faire un duel de boules d'elfe. Ah, mais non, mais toi, t'as pris déjà boules d'elfe. Et ouais. D'accord, ok. Ah, ok, Il bah y j'aurais dû aura. prendre Non, mais boules je ne fais d'elfe. pas de live Nuzlocke, Infamous. Je n'ai pas de quoi vous streamer ma Switch en fait. Non, c'est juste pour donner son avis sur le jeu et expliquer que ce mode de jeu-là lui plaît bien, quoi. Et du coup, il m'en a fait part et je trouve ça très drôle. Du coup, ouais, vous devez. Si jamais un Pokémon est KO, il n'est pas KO, il est mort, vous ne pouvez plus vous en servir. Vous ne pouvez capturer que le premier Pokémon que vous rencontrez dans chaque zone. Donc, par exemple, la route 2, la route 3, la route 4, la forêt de Jade. Mais gros, c'est abusé. C'est. Ça n'a aucun sens. Comment ça s'appelle? C'est des zones différentes et vous pouvez capturer que le premier Pokémon que vous voyez. Si vous le tuez, ce premier Pokémon, bah, Pour vous ne toi, pouvez pas le capturer. Et mon loup. Et merci beaucoup voilà, à Grexif pour le don de 5 euros, Protéganis. histoire de voir encore plus de belles magies. Merci. Merci S'il beaucoup. fallait le tuer, la beaucoup pour pauvre le don. Qu'est-ce que vous avez aussi comme règle? Si vous avez déjà capturé le Pokémon que vous rencontrez, vous pouvez du coup le virer. Enfin, le virer, le tuer et capturer le prochain Pokémon que vous rencontrez. Et c'est plutôt sympa. Du coup, bah écoute, KOMTG, vu que Magic 174 ne s'est Tu pas as gagné 30 manifesté, euros. tu as gagné un bon d'achat de 30 euros. Félicitations, viewer de la première heure en plus. Donc, Bien joué à toi. Et récompensé, tu je as bien fait de nous soupçonne du coup suivre. Magic 174 de malheureusement avoir participé, être parti faire quelque chose et vouloir revenir plus tard parce que normalement les Rossmois durent un peu plus longtemps. Et bah du coup il va être puni de ne pas être resté pendant le stream, quoi, malheureusement. Désolé pour toi, Magic Si tu regardes 174. cette rediff, Été, mais on peut désolé. pas t'attendre éternellement malheureusement et félicitations à KOMTG du coup. Du coup, tu m'as MP par Discord, mon futur commandant. De quoi parles-tu, Segaïa? Tu tombes sur trois roues cool, c'est les trois premières routes, t'es niqué. C'est un peu le but, ouais, de ce que j'ai Non, compris du non. Nuzlocke. En fait, enfin. Ah, tu peux pas prendre un doublon, effectivement. Tu peux. Enfin, il y a des Nuzlocke très extrêmes qui disent que t'as pas le droit d'utiliser d'objets. En combat, pas le droit d'utiliser d'objets du tout. Donc ça, c'est hardcore. Moi, je prends les règles les plus basiques, mais bon, c'est celles qui sont les plus contraignantes. Ah bah parfait, KO. Ma félicitation à toi. Félicitations à toi. Donc ouais, moi, la règle de forcément capturer le premier Pokémon, si je l'ai déjà,
Je passe outre parce que franchement, le jeu est très très dur. Il faut savoir que le nouveau Pokémon est assez dur, je trouve. Sauf si. Et pas de Je multi-ex. lance en boule d'elfe. Let's go. Clerc 01, merci beaucoup pour le sub. 12e mois Merci d'abonnement, beaucoup, un Clerc. an de sub, merci énormément, Clerc. Du coup, si vous subez, vous avez 27%. Non, c'est pas vrai, En Y15M. gros, Quoique. c'est déjà bien assez dur pour que tu te rajoutes pas Voilà, c'est des déjà bien contraintes assez dur. hardcore. Et ce Pokémon-là, il est assez dur si vous jouez normalement, on va dire. Et oui, le Multi-Ex, on peut le désactiver dans Sword Shield. Donc forcément, il est activé de base. Ah, donc t'as tous tes Pokémon qui XP quand même en même temps. Ouais, mais malgré ça, Sympa. j'ai perdu beaucoup de Pokémon que C'est sûr. Ouais, j'affectionnais. mais tu passes moins de temps à tryhard tes à faire Ouais. EP tes Pokémon. Parce que sinon, si tu fais un Nuzlocke sans multi-S, de ce que je comprends, parce que ça existait déjà dans les versions jaune et enfin pardon, or et argent, donc je m'en souviens. En gros, tu dois entraîner dans les hautes herbes chacun de tes Pokémon. Ouais, c'est ça. Ah bah du coup, c'est un enfer en termes de Mais temps. en fait, je suis sur Pokémon épée. En fait, il y a ce genre de règle, par exemple, ne pas utiliser d'objets en soi, enfin, à part les Pokéballs, hein, évidemment, pas utiliser d'objets de soin. En soi, ça change pas grand-chose, puisque tu peux juste aller au centre Pokémon à l'infini, tu vois, pour soigner tes Pokémon. Ouais. Sauf que c'est juste du temps perdu. Et moi, les règles comme ça, qui font juste perdre du temps, je trouve pas ça très fun, tu vois. Ou pareil, le Ok. multi-exp, je l'aurais respecté si je pouvais le désactiver. D'ailleurs, si à des moments, j'aurais préféré le désactiver. Mais. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que tu gagnes du temps par rapport au Nuzlocke où tu t'imposes de pas avoir le multi-exp, quoi. Parce que du coup, tu farmes tous tes Pokémon d'un coup et pas forcément un par un. Juste un gain de Ouais. temps dans le jeu, c'est pas plus dur ou Oui, c'est plus ça. simple, c'est juste un gain de temps, C'est quoi. juste un gain de temps, mais. En fait, je parlais de ça parce que de base, il doit être désactivé. Mais moi je trouve que ça fait juste perdre un max de temps quoi. Parce que en vrai tu farmes toujours des Pokémon qui ont 5 niveaux de moins que toi. Tu Ok. vas jamais perdre tes Pokémon dans les herbes, tu vas juste passer des heures et des heures quoi. Ok. Salut. T'es gros, on a vraiment un miroir, je trouve ça incroyable. Ouais. Oh, salut Pierre-Louis. Je l'ai bien refait, ça va? J'ai. Il était pas mal. Pour un mec qu'il a jamais rencontré, il était pas mal. Non mais gros, c'est fou là ce qui se passe. On fait Bon bah pareil. excusez-moi. Excusez-moi du peu. Attends, si on fait pareil à la première prochaine manche, c'est fou. Oh bah je bloque là. Ah bah c'est donné quoi, c'était gratuit. Hop là, Mirror. On a le même board. Hein. J'ai pas pioché de land. Dommage. Ah, c'est le premier qui va activer Meneuse qui va gagner quoi. Désolé pour mon explication décousue, je vous expliquerai mieux jeudi, là je suis fatigué et déconcentré. Bah, en gros, moi je connaissais pas, je pratique pas Pokémon et je trouve que c'est vachement stylé de s'imposer ces règles-là. Et c'est cool. Oh, c'est fort ça. Tu veux dire que je suis vachement stylé, Val? Ben ouais, j'aime bien. Enfin, Merci. genre, je trouve ça cool de jouer comme ça au jeu. Je trouve que ça lui donne une dynamique peut-être un peu plus. C'est pas un peu plus tryhard, quoi, tout simplement. Même si je sais que le vrai Pokémon, on m'a expliqué, hein, prend. Enfin, comment dire, le vrai Ma côté strat. compétitif de Pokémon prend effet quand tu as fini le jeu et que c'est là où tu rentres dans le délire. Bah là, ça te donne un intérêt aussi de le tryhard, même quand tu le découvres en fait. Et pas juste taper l'histoire pour pouvoir commencer à jouer, quoi. C'est vénère, ce sauteur de bête, quand même. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est. Je suis pas très content, si tu veux. Ça va. Je peux pas battre ça, je crois. Hein. Bah j'ai une 6-5. Ah, bah si, je peux battre ça, regarde. Oh, il est fort, putain. Ah mais j'ai un peu d'avance, Val, attention, je cours plus vite. C'est vrai. Surtout avec ce que je vais te faire là, va pas être content toi. Ouais, je suis pas très heureux. Putain, Je je crois que c'est regagne les une là, Pokémon qui mec. sont disponibles à I Am the Creator. Ouais, Corrige-moi c'est si je me trompe, PL. le il y a un boss d'arène qui est différent, c'est type combat dans épée, c'est type spectre dans bouclier. J'aurais préféré du coup prendre un type spectre vu comment le type combat m'a cassé la gueule. En même temps, je comprends pas que le type combat existe encore dans Pokémon. Enfin qu'il soit aussi fort, je trouve ça débile. C'est Tignon et Kikli, Et type Kikli. combat. Ouais, exactement. C'est Mawashigeri, quoi.
En fait, c'est fort contre pas mal de trucs. Et de base, juste les Pokémon combat plus une attaque combat, ça fait super mal à n'importe quel Pokémon, sauf ceux qui sont D'accord. insensibles. Du coup, tu peux te dire, je prends un Pokémon de combat, je le monte en niveau, je casse la gueule, tu vois, comme ça. Easy. Rose. Ben c'est bien, je fais rien. J'attends. En fait, c'est le premier qui trouve sanglier, dévastation, quoi. Parle de ça, Val. Ouais, mais ça va parce qu'il est pas avec dévastation là. Alors, je sais pas si c'est quand même très bon, mais. Oh, on peut le caster. Ah non, je suis con, j'ai compté 12. C'est bien là si je fais ça. Ça me plaît pas des masses ce qui se passe. Ok. Oh, je rousse. Ah bah là. Ça va aller tout droit quoi. Nom d'un guerrier Ichigo. Ce qui m'a fait rire, c'est que du coup, samedi soir, je parlais du coup de Pokémon avec PL et son comparse Pokémon. Et à chaque fois qu'on parlait d'un type, Steve me disait, bah c'est le meilleur type en fait. Et du coup, dans ma tête, je l'ai gardé pour moi, hein, mais dans ma tête, je suis en mode, mais il y a trois ou quatre meilleurs types, c'est quoi le délire? Il y a 18 types en vrai. Et Mais je te jure, effectivement, à chaque fois qu'on parlait d'un type, Steve me disait, bah c'est le meilleur type. en fait, suivant le moment du jeu, il y a des types qui sont plus ou moins forts. Ouais. Mais Ok. les types très forts, je trouve que c'est acier parce que ça prend. Il y a beaucoup de trucs où ça prend que 0,5 en fait des dégâts, la moitié. Vous m'auriez menti du coup? Combat, c'est fort parce que déjà ça tape acier et c'est fort. Dragon et fée, je trouve. C'est super chiant. C'est vrai qu'il y a un type fée, j'en reviens pas. Je comprends pas. Même un type dragon, genre ça doit être type feu, ça peut pas être dragon. Eh si, le mec est un peu dragonneau sur les bords. Et t'es Ouais. dragon, quoi. Il est un peu Norbert, quoi. PL a fait la ligue avec un mouton. Non, là, ma team. Putain, si je vous parlais de ma team. Avant l'arène combat, vous m'auriez dit waouh, pas mal cette team. Si je vous en parle maintenant, vous allez me dire waouh, de la merde cette team. Je crois que j'ai perdu. Je cherche, hein, mais non. Moi aussi je fais. Bien joué. Ouais, j'en ai gagné une. GG. Ah là là. Ouais, là ma team, c'est. Alors je leur ai donné des noms que je peux pas forcément dire sur Twitch et je connais pas les noms. De comment ça s'appelle? Des nouveaux Pokémon, mais il y en a un, c'est l'évolution, c'est Salarcin, qui est électrique poison, c'est très stylé. Si je peux vous dire son nom à lui, il s'appelle Zizi. C'est Voilà, dire qu'il y a c'est pire que Zizi, hein. dire qu'il y a pire. Ah bon, mon Crustabri, je peux pas le lire, je pense. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ouais, c'est un nom marrant. Peut-être que Ok. je l'écrirai dans le chat, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Non J'ai un plus. Crustabri. J'ai le scolopendre de feu là qui est feu insecte. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma team? J'ai que des numéros 10. Faux. Ah, j'ai un Léviator. Ah, lui, je peux vraiment pas dire son nom. Il s'appelle Aqua quelque chose. Ah, je m'en souviens de lui. Voilà. Un rapport Ça avec Al Capote. parlera aux gens qui aiment Al Capote. Ah, c'est pas loin de ça la recette à la cuisine. Ouais. J'ai la forme violette et jaune moi, de Salarcin. T'es 4 Crustabri, on voit bien. Ouais. Scolossandre, voilà, merci Nastek. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme Pokémon? J'ai un ouvrifière qui s'appelle Bozo. Soyez pas vulgaire dans le chat, Doubest, s'il te plaît. Ouais, un ouvrifière. Donc, ça, c'est à l'époque, c'était un matchhopper qui s'appelait Guillaume. Et il est mort, il s'est fait one shot parce que j'ai confondu deux types. En fait, il y a un Pokémon qui avait deux types et je connaissais un et je connaissais pas l'autre. Du coup, je me suis fait un choc mental, il est mort. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Il m'en manque un, je m'en rappelle plus. Bref, ça me reviendra. Sûrement une belle Ah si, bête. Corvalus, là, le vol acier, qui s'appelle Christine. Ça m'a fait un choc quand il est mort, un choc psy, ouais. Ah bah c'était en fait chaque Pokémon, j'ai considéré vraiment comme mon équipe.
En mode, putain, celle-là, je vais l'amener à la ligue. Et à chaque fois que j'en perds un, je me dis, putain, quoi. Quelle chaleur. Qu'est poutaine de Ouais, chaleur. Corvaeus, il est extrêmement puissant. J'ai appris ça trop tard, du coup, une fois que je l'avais viré de mon équipe. Mais du coup, j'ai été obligé de le reprendre, quoi. Voilà. J'avais d'autres Pokémon. Ah bah visiblement la terre entière Super Gredin joue à Pokémon, donc forcément t'es pas bien quoi. Je me rappelle pas de tous mes noms, mais je sais que j'avais attrapé un chat cripant qui s'appelait Chakaka. Oh, il va montrer un petit chat. Gros chat. Oh, Un c'est un gros Pokémon. chat. Moi aussi, je joue à Pokémon in Incroyable. Et real vu que t'as un pull life. noir, on le voit pas, voilà. C'est vrai? Et ouais, Tiens, on le voit regarde, je pas le mets trop. devant la Mais carte. incroyable, Nanook. Ah, il est formidable. Elle est formidable, pardon. Oula. Oh, il est pas content. Non, elle est pas contente. Et elle, je l'ai capturée sans Pokéball. T'as dit viens, et elle a dit ok. Elle est venue. Incroyable. Du premier coup, quoi. Il est Il est où où le le four, on four? nous demande. Dans la cuisine. J'avoue, tu sais que c'est l'exact chat C'est un du familier chat de four. chaudron, ouais. Mais de ouf. Donc voilà. Je vous ferai rire avec les autres noms de mes Pokémon tantôt. Bah, pour parler chat, j'ai capturé un chat cripant qui s'appelle Chakaka. Voilà. Mets-le dans le four, non mais le chat est horrible quoi. Tac, 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 tac. Eh ben ça marche du coup. Du coup on Voilà, se bah quitte un peu écoutez, plus tôt que d'habitude. on va vous laisser sur ces bêtises. On annonce le format de lundi prochain On peut parce qu'il est annoncer le cool. format de lundi prochain qui sera en forgeron du coup. Pour ceux qui ne savent pas, Yes. allez voir notre vidéo qui explique tout ça. C'est simplement en fait un format où on ne peut jouer que les communes et les zones co, mais en historique. Donc ça fait plaisir. Et puis la semaine d'après, logiquement, ce sera du standard. Enfin, donc du coup, C'est dans 2 ça. semaines. On fera du standard parce qu'on sera à 5 jours du Mythic Championship 7 que je vous annonce qu'on va caster. Je vous annonce pas encore avec qui, mais en tout cas, Pierre-Louis et moi, on couvrira l'entièreté de l'événement sur notre chaîne Avec plein YouTube. de On couettes. espère que vous serez là, nombreux. On vous, bien sûr, communiquera sur les réseaux et dans les vidéos YouTube adéquates les personnes avec qui on s'entourera pour faire un cast de qualité. Et on essaiera de vous faire vivre un événement incroyable pour le dernier Mythic Championship Arena de 2019. Ça va être vraiment très, très cool. Et je vais même aller plus loin. Si on a accès au decklist du Mythic Championship 7 lundi soir, on les jouera pendant le Rossmois. Yes. C'est pas une certitude, mais si on les a, voilà, vous le savez. Un rossement Est-ce avec un qu'on a thème autre chose Pokémon, à ça va être rajouter? dur. Non, je pense qu'on a tout dit. Pour répondre, un rossage en Brawlisto avant Noël, oui, pourquoi pas, certainement d'ailleurs même. Ça pourrait carrément, Mais ça ça c'est un risque de format qui pas pourrait arriver. changer. Ah si, il y a des nouvelles cartes, remarque. Ça va changer un peu. Parce que vu que c'est que des one slots, les listes sont pas énormément différentes. Il y a que quelques cartes qui Ouais. vont être ajoutées. Mais il y a des trucs à faire, je pense. Oui. Et on nous demande un jour du multigaming sur une chaîne à part. Alors, on a déjà une chaîne à part pour faire ça. Sauf qu'on s'en sert pas. Actuellement, on n'a pas le temps. Et on fait tellement peu de stream Magic que si on avait plus de Ouais. temps, on ferait sûrement plus de stream Magic pour le On coup. ferait plutôt du Magic. Et si un jour on arrive à être full Magic et à en vivre, bah, on s'interdirait pas d'aller présenter d'autres trucs sur la chaîne Valet Pelle Gaming. Mais vous pouvez déjà aller la Exactement. suivre. Hein. Si un jour on en vit, elle sera peut-être active, quoi. Voilà. Mais Magic est déjà bien chronophage. Magic prend pas mal de temps, ouais. Je vous avoue que je serais tenté de faire des streams si j'avais de quoi streamer ma Switch, mais j'ai pas encore de quoi. Il Et puis faut. en vrai, moi, pour le coup, je suis pas tant multigaming. Je joue principalement à des jeux de cartes et à Magic, donc. Ouais. J'avoue, pour le coup, on a une chaîne multigaming, mais en vrai, ce serait que moi quasiment qui jouerais dessus Ouais, si c'est on n'est pas à deux, plutôt quoi. pour qu'elle se fasse plaisir, mais. Mais c'est pas interdit qu'un jour elle soit allumée pour un quelconque jeu, quoi. Exact. En tout cas, on vous fait des bisous. Du coup, vous retrouvez la rediff. Je le dis encore une fois, s'il y a des gens qui sont là sur YouTube, donnez votre avis parce qu'on la met en non-cut, parce que beaucoup de gens nous en demandent. Ouais, exactement, Valaxarion, il me faut un Elgato. Les gens ne nous en demandent pas, nos gens nous demandent de le mettre en non-cuté. Et puis voilà. Moi, je suis chaud, je vais sub là-bas. Non, tu peux pas sub, on a trop peu streamé Peux pas avec. sub. Elle est même pas affiliée encore à Non, Twitch. on a jamais streamé dessus quasiment. Donc J'ai fait un stream une fois et en fait j'ai été rattrapé par la réalité du temps. Pas trop le temps, mais écoutez, à voir. Vu que là ça va être le Black Friday, ça se trouve il y a un petit Elgato qui va se glisser dans mon panier sans faire exprès. Peut-être que ça va amener à des trucs sympas, voilà. J'avais promis aux gens de faire du League of Legends, d'ailleurs, avec les viewers. Donc si jamais ça vous dit toujours, même s'il y a la nouvelle saison là, que les gens aiment pas trop, j'ai pas trop suivi, bref. Je suis chaud pour faire du LOL avec les viewers. Petite game custom et vous allez voir mon niveau, il est incroyable.
Vraiment, il est parabolique à mon niveau. Ça veut rien dire. Je peux vous proposer du Voilà. Dokkan Battle si vous voulez, mais on peut pas jouer l'un contre l'autre. Ouais, si Donc vous ça a voulez l'air voir nul. des boules de couleurs et des belles animations, vous pouvez voir du L'air Dokkan nul, je Battle. sais pas. Mais le Non, c'est une gameplay, blague, c'est évidemment. très limité. Mais c'est très Ouais, joli. non, c'est pas limité, mais En fait, tu peux pas Dokkan. juste spectate ça et t'amuser, quoi. Il faut vraiment avoir des. Faut chercher du tuto, tu vois, du contenu, quoi. Le gameplay, vraiment, genre l'action de jeu, est quand même très Ah, si, limitée. si, justement, si, parce que t'as quand même pas mal de teamwork. C'est comme des cartes, c'est un jeu de stratégie, donc il Eh, faut que tu mais. mettes tes rotations correctement, que tu utilises, tu frappes les bons persos au bon moment, Le mais c'est gameplay d'un très jeu. dégueulasse à regarder, Le pour un gameplay profane. d'un jeu de cartes, c'est super limité. C'est juste, t'as des cartes, tu les pioches, tu les poses, tu vois. Juste Ouais, bien sur sûr. les actions que tu réalises, tu vois. Oui, ah bah oui, c'est que du teamwork en fait, c'est que du personnage et créer les meilleurs liens, les meilleurs teams. Bon, bref, c'est pas intéressant à regarder pour quelqu'un qui joue pas au jeu. Alors, Genesis France, malheureusement, on ne fait plus vivre Instagram et on va arrêter de dire qu'on a un réseau parce qu'on n'a jamais pu s'y mettre, etc. Et Non, quand on plus l'a on n'en parle créé, jamais, on n'en fait jamais la promotion de notre ouais. Instagram. Du coup, tous ceux qui ont pu nous envoyer des messages sur Instagram, on ne voit pas parce qu'en plus j'ai changé de téléphone. Donc sur l'ancien, j'étais connecté, je ne me suis pas reconnecté sur le nouveau. Et à l'époque, on avait tous les deux des téléphones très nuls avec Val. Et du coup, on ne pouvait pas faire des photos de qualité pour poster ça, faire des trucs un peu jolis. Du coup, en Ouais, plus, puis de toute façon, on n'avait pas de contenu à mettre dessus. c'est aussi un média que moi, personnellement, j'ai jamais utilisé et que j'utilisais pas. Et comme c'est moi qui suis un peu en charge des réseaux, bah, c'est pas un truc qu'on a alimenté. Et en plus, bah, comme je suis en charge des réseaux, en fait, on a chacun des rôles bien distincts. Et ça voudrait dire du coup que je devrais, entre guillemets, bah, mettre des photos, mais de nous deux avec PL, mais c'est pas évident parce qu'on n'est pas tout le temps tous les deux. Donc en fait, comment faire pour avoir un Instagram à deux alors que c'est moi qui vais en être en charge un peu perso? C'est un peu compliqué. Je pense que si on doit avoir des Instagrams à jour, ça sera chacun le nôtre pour le coup. Mais avoir un Instagram à deux, c'est pas évident à gérer. Ça nous paraissait pas très pertinent en tout cas. Par contre, si jamais vous voulez nous joindre et que vous savez pas comment le faire, vous pouvez nous joindre par Discord, par Twitter, je crois pas. Je sais pas si les MP sont ouverts à ceux qui que l'on ne follow pas. Mais par contre, vous pouvez nous joindre par Facebook. Ça, c'est très important. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Si vous avez quelque chose à nous dire par Facebook, voilà, je lis tous les messages. Exactement. En fait, tous les supports qu'on cite à chaque fois, donc Twitter, Facebook, C'est Discord, ce qu'on utilise. c'est ceux qu'on utilise. Twitch, on check pas forcément tout le temps les MP, mais on les regarde quand même au moins une fois par semaine. Donc voilà. Et Merci non, pour le pas du sub, tout, c'était bon. Scolico. Photo de vous deux à la salle. On aurait pu, fut un temps, faire ça. Fut un temps, on a fait ça, ouais. Ça s'est vite Et arrêté. merci Je beaucoup pour le nourrissais sub, c'est plus le Lemon. poumon que les muscles, donc. Et c'était pas bon. Ouais, Mais en c'était tout pas cas, il très nous bon. est arrivé des histoires rigolotes à cette salle. Ouais, je peux Surtout dire. avant et après, en fait. Il y avait des histoires rigolotes. Ah ben le meilleur moment c'était quand on se retrouvait devant et qu'on disait on n'y va pas, ouais on n'y va pas et qu'on allait à la boulangerie. Mais en vrai, c'est pas arrivé beaucoup, ça. Quand tu y Non mais repenses. bon, le Mais fait par que ça contre, j'en soit connais arrivé, un c'est de déjà nous deux, trop. il a souvent proposé. Non mais c'est déjà trop, tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. fait que ça arrive une fois. C'est vrai. Quand même incroyable. Sur ce, on vous fait des bisous. Si vous voulez nous soutenir par les pubs, même si personne ne les voit, je les mets quand même, on sait jamais. 3 minutes de pub juste après à vous avoir dit au revoir. Vous retrouvez Val du coup demain soir à partir de 19h pour la soirée Val où il va faire des trucs cool comme d'habitude. Sûrement de l'histo, je pense. Et puis voilà. Bah, de l'historique, bah, ce sera très bien. Yes, de l'historique. Mercredi, Magic, c'est chic. Jeudi soir, PL. Du coup, tu pourras parler un petit peu de Mokepon pour ceux que ça intéresse. Exactement. Et vendredi matin, Oh, Matima. si vous voulez, je fais un stream Pokémon. En fait, je mets la webcam mais sur mon écran. Comme ça sera bien dégueu. Voilà. Sera bien pas propre. À quoi que non, parce que du coup vous allez voir les pseudos, je sais pas si je peux les afficher. Non, je crois Bref. pas, moi. On vous fait des bisous. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la Ciao belle ciao! magie. Ciao, bye bye.